Et salut tout le monde, c'est Alexuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Yu-Gi-Oh! Millennium Duel. Et on se retrouve pour une finale tant attendue de Yami Yugi contre Yami Marek. Et allez, let's go! Le moment était venu pour la finale. La confrontation finale, mais bon. Yugi contre Marek avec le destin du monde en jeu. Hein, bien sûr, pour un vrai jeu de cartes, bien sûr. Bien, s'il y en a un qui gagne, le monde est détruit. N'importe quoi. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Bientôt, ton pouvoir infini sera à moi. Marek, non seulement je vais te battre, mais je vais aussi te libérer des ténèbres qui te contrôlent. Ah ah ah, j'aimerais bien voir cela. Ça va, pas trop de dialogue aujourd'hui. Et voilà. Et après, à la fin, on dira... Voilà, c'est, tu vois, tu as perdu puisque tu croyais en les ombres et tout, voilà. Yugi qui fait toujours la morale dès que tu bats quelqu'un. Oh, duel simple. Toujours un duel simple. Est-ce que le match final, ce sera un match, pas un duel? C'est rien. Alors... ça. Voilà. Et je peux mettre éventuellement ça, mais bon, je vais plutôt le sacrifier pour invoquer le petit. Je sais pas pourquoi j'ai un. Quoique. J'aurais peut-être dû attendre. Enfin, j'aurais peut-être dû attendre, ouais. D'avoir un monstre. J'aurais eu le slipper en main. Très bien. Moi j'aime pas du tout le dragon et les Dora, je pense que j'en avais parlé avant et j'avais même pas expliqué. Les trois dieux égyptiens, dragon et les Dora, je trouve son effet, que son effet c'est le moins bien et le moins utile, le plus compliqué à utiliser. C'est-à-dire que si vous l'invoquez, il faut mettre tous ses points de vie à 100. Et après il gagne tous les points de vie qu'on a perdus. Donc ça peut donner un gros monstre. Passe-toi. Et toi tu prends ça. Bien, slim métallique. Non, on va pas continuer à attaquer. Tout ça nul. Puisque après on a bien un monstre comme ça, mais si jamais notre adversaire active un effet qui inflige des points de dégâts. Je prends pas mal de points de dégâts. Eh bien, t'es mort direct, puisque 100 points, t'es un autre monstre en mode attaque, ton adversaire a une carte à 100 points de plus. Ouais, bah dis donc. Monstre dans votre saison. Je réfléchis. Homer, c'est quoi déjà son effet s'il est détruit? Cette carte a été détruite. À la fin de chaque battle phase de votre adversaire, défausser une carte, ça. Oh lolo, ça c'est hardcore pour un deck où il y a slipper. Donc j'ai ça. Il va détruire mes monstres. Ouais bah enfin bon, après je vais réussir à invoquer Slipper, mais il aura que dalle comme point d'attaque, c'est vrai. Yugi, il a pas des pots de cupidité là? Gère d'habilité. Ok. 300 points encore. On va pas le gagner du premier coup ça. Là je sens très mal. Je sais pas ce qu'il pourra nous faire remonter. Hein. Un petit monstre à sacrifice, un petit crâne invoqué. Et bon, ça va pas nous aider non plus. Mais ça va nous permettre d'infliger des points de dégâts à Yami Marek. Ouais, je suis 600. Je prends encore 300. Et c'est violent. C'est violent le vendeur du cercueil. Ah, pot de cupidité. Voilà, c'est ce que j'attendais.
ajoute une carte de la main de son adversaire à sa main. J'ai pas de Kuribo. J'ai pas de Kuribo. Ouais, on va faire échange, hein, ça va être drôle. What? Je prends ton dragon Elidora, tu prends mon Slifer. J'ai pas été gagnant. Il y a aussi un deuxième effet pour Ra, c'est qu'on paye 1000 points de vie pour détruire un monstre adverse. C'est bien, sachant que quand on l'a invoqué, il nous reste plus que 100 points de vie, mais bon. Oh, j'ai perdu. Bon, après, j'aurais pu invoquer ça. Ok, mais bon. Hop, ok, défaite. Déjà, ça commence bien. Ça commence bien. Hop, on continue. On relance. Voilà, histoire de deck. Je me doutais bien que ça allait pas être facile. Hein. Au début, je me suis dit, oh putain, il pue la merde, je défonce. Dès qu'il invoque Elpomer, en fait, c'est la crise. Et Elpomer est très très violent. Il est très très chiant avec... puisqu'il fait perdre à... défausser une carte. Changement de cœur, ça c'est bien. Ça, c'est très très bien. Parce que s'il a un mon, je fais changement de cœur plus ça et j'invoque le Buster Blader. J'invoque le Chevalier du Roi. Avec le Buster Blader, et ça va passer un petit peu mieux. D'ailleurs, on veut dire que le tourmenteur, il a la tribu divin, je sais, mais il est... What? Si les seules cartes contrôlées par votre adversaire sont des monstres face recto avec minimum 1600 points d'attaque, cette carte peut attaquer directement votre adversaire. Ah oui, très bien. Et puis la carte, non. C'était Kuribo. Je me demandais, mais qu'est-ce que... J'attends les Pomer, hein. Oh, ok. Quoique. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Donne-moi ta carte. Oh, c'est encore mieux que... le meilleur. Donc lui, c'est un... Non, en mode attaque. On va les couilles. C'est un bête guerrier, bête divine. Ah non, c'est bête divine, d'accord, je croyais que c'était dragon. Invocation. Et tu ne peux rien faire, Marek, face à Obélisque, le tourmenteur. Et là, il a un contrôle mental. Les seuls trucs qui marchent contre Obélisque, contre les dieux égyptiens, je savais pas si ça avait fait. Les seuls trucs qui marchent contre les dieux égyptiens, c'est vraiment les contrôles mentaux, changement de cœur, les trucs comme ça. C'est... Ils peuvent pas être détruits par les effets de cœur. On garde tout ça. Hein. On attaque avec Obélisque. Qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'à prendre le contrôle d'un monstre à 5 coups sur le terrain de votre adversaire. Il pouvait pas. Non ciblé par des magies, pièges ou effets de... Attendez. L'invocation normale de cette carte ne peut... Lorsqu'elle est invoquée normalement, les cartes et les effets ne peuvent pas être activés. Non ciblable par des magies, pièges ou effets de cartes. Durable en face, si cette carte a été invoquée spécialement, envoyez la... D'accord, mais attendez, cette carte ne peut pas déclarer d'attaque pour les effets activés. Mais je me souviens que quand je jouais contre String en mode inversé, Yugi arrêtait pas de me voler ma... Yugi arrêtait pas de me voler mon Slifer. Salopard, tu croyais le détruire? Tu croyais le détruire? Alors, hein, que ça? Ah oui, lui, il est... Lui, il est ciblable. Donc lui, il est ciblable. Donc Obélisque, définitivement la meilleure... le meilleur des trois dieux égyptiens. Déjà puisqu'il a une attaque fixe, et ça c'est bien, de 4000, très peu de choses peuvent aller la chercher. Un chevalier de la reine. Et après, hommage torrentiel, ça détruit mon obélisque. Hop, on attaque avec ça. Voilà. Ah oui, ça peut pas attaquer le tour où c'est invoqué. Je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je peux pas attaquer? S'il a pas de monstre, on a gagné, hein. Oh, le FDP du net. Oh, le FDP lunette.
Tu peux attaquer quand même avec. Je dis mais pourquoi il peut... Qu'est-ce qu'il fait? Merde. On attaque. Il peut attaquer, hein. Puisque ça a été invoqué son tour. Hop. Ça attaque. Ta mère! Putain! Continue à attaquer, bah non. Que veux-tu que je fasse? Hop. Bah je suis bien remis. Putain, j'étais tellement bien! Mais qu'est-ce qu'il fait avec un golem de lave? Oh. Oh, j'étais tellement bien, je suis bien deg, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Hein. Là je perds 1000 points à chaque tour, je peux pas détruire son monstre. Je mets ça. Je mets ça. J'attends de pouvoir utiliser Slipper. J'aurais pas dû mettre les chapeaux magiques. J'attends de pouvoir mettre Slipper. Hein. Ça c'est bien. Et si vous comptez un monstre de type magicien avec un monstre de type magicien de votre main, puis vous pouvez détruire. J'ai pas de monstre magicien déjà. Alors, c'est beau. Allez, au prochain tour, on invoque Slipper. On aura plus que 2400 points de vie, mais bon. Pas grave. Monster Reborn. Ça c'est bien, mais je peux rien invoquer. Je peux rien invoquer. Je suis trop au fond. Je l'avais. Ah bah 2900. Là par contre, ça va être une grosse créature. Hein. Gros démon légendaire. Hein. Monster Reborn. Monster Reborn. Moi aussi, je peux le faire. FDP. Obélisque. Mode attaque. C'est bon, je vais pouvoir le détruire au prochain tour. Oh merde, j'avais oublié ça. Bon, je peux abandonner, hein. Oh non, c'est vrai, j'avais complètement zappé. C'est pour ça qu'il l'avait sacrifié, je me suis dit, mais putain, quel con. Je vois son effet s'activer, je me dis mais putain, non, qu'est-ce que j'ai fait encore. Bon allez, achève-moi, vas-y, il y a une phase. Je mets même pas un monstre, comme ça il va me tuer. Faut restart, ça va être long. Ça va être long. Oh non, j'active pas ma carte, c'est bon, j'ai abandonné. J'ai déjà abandonné. La défaite. Bien. Très bien, allez. Grec, sort de deck. Putain. Et ça me rappelle quand je galérais sur les cartes sacrées. Ça va en fait dans le let's play des cartes sacrées, je crois que j'ai même pas besoin de restart. Ou deux fois. J'ai dû faire deux fois. C'est bon hein. Oh oui très bien. Déjà, Marek a plusieurs dieux égyptiens. Faut noter ça. Il a plusieurs dragons et Elidora. Oh, merde, putain, je vais subir des points de dégâts. Une phase. Il a obtenu le meilleur. Obélisque le tourmenteur. Il y a encore ça, mais ça, je m'en fiche. Je pose ce monstre là, il peut toujours pas attaquer. Il faudrait qu'au prochain tour j'ai un autre monstre qui tiendra un tour. Puisque...
jusque là, il est... On en est à combien? Je ne sais pas. 600 points. Limite un deck burn, hein, son deck. Ah, mais... Okay. Je me dis... Ouais, non, mais de toute façon, en fait, je vais pas invoquer Slipper. Je vais invoquer Obélisque, si je peux l'invoquer. Yeah, 600 points. Qu'il invoque, en fait, le dragon Elidora, je me dis. Il faut juste... Putain, ils veulent pas me donner des cartes. Hein. Ils veulent pas me donner de vraies cartes. Il invoque le dragon Elidora, ce sera bien. Comme ça, il aura plus que 100 points de vie. Je mettrai ça, il pourra pas attaquer. Il pourra pas attaquer du tout. Pas tout compris. Pas tout compris. Chapeau magique. Chapeau magique. Est-ce que j'ai un intérêt à le garder? Ouais, le garder face caché. Bon, on s'en fiche. Ça claire un petit peu les cartes de notre... Ça, je garde pas. Je garde polymérisation. Polymérisation, ça. Voilà, un échange. Ouais, ouais, on montre bien que c'est ça. On cheat pas, une formule magique. Et là, il faut que tu cibles la bonne carte. Oh, le salopard. Il est en mode attaque. Je vais remettre en mode défense. Et je gagne 1000 points de vie, ouais. Bomber. Oh. Salopard, hein, avec tes help Bomber de merde. Allez, on met ça. Ça. Et on fait rien du tout. D'accord, 600 points, c'est bien. Seule face. Ok, il attaque avec ça. C'est trop débile. 300, il le met en mode attaque, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Oh Dieu. Oh putain. Je suis en position de défense. Et on... sacrifice stricto avec spécialement. Position de défense. Ouais, on va faire ça. Comme ça, on va bien être défendu par nos cartes. J'active l'effet multiplicateur. Donc ça va être pour nous protéger. Hein. Oh, il est mignon. Oh, il est mignon. Il est mignon. Il est mignon. C'est peut-être les mêmes illustrations. Il n'y a rien qui change, c'est dommage. Bon, jetons Kuribo. Ouais. Et je suis bien encore... Bien. Oh, il invoquera. Il invoquera. Oui. Attendez, peut-être qu'il me tue, hein, j'en sais rien. Ah, il ne veut pas... Il met même pas de point d'attaque. Et il se dit, oh non, non, je n'ai pas envie de me mettre au fond. Oh putain. J'ai pas envie d'être au fond du gouffre. Donc je le mets en mode attaque, mais il fera rien. On va laisser ça comme ça. Il faut un magicien, il nous faut une carte magicien, je connais pas mon deck. Il nous faut une carte monstre magicien qui s'invoque facilement. Ok, le Pommeur détruit nos monstres, sympa. Bien, c'est bien, Dragon Elidora à 0 points d'attaque. Oh. Attendez. Je peux faire ça, je peux le cibler lui, je peux le cibler. Les autres cas. Je peux le cibler mais j'ai pas envie en fait. Je préfère avoir un help Homer. Pour invoquer le dragon. Le magicien sombre. Activer le contrôle cérébral. Hop, 800 points en moins. On va prendre help Homer, oui. J'ai eu peur, j'ai cru avoir fait un misplay. On invoque le jeton de démon métallique. On sacrifie nos deux monstres. Comme ça, El Pommer ne sera pas détruit au combat, donc du coup on défaussera pas les cartes. Et c'est vrai que je peux pas attaquer le premier tour, end phase.
Là il va payer 1000 points de vie, il va détruire mon magicien à mon avis. Au moins j'aurais éclairé un petit peu son terrain. Il a activé son effet, 1000 points. What? Ah ça compte? Non c'est juste les monstres en mode défense qui gagnent 500 points. Je crois que c'était le truc pour les monstres lumière. D'accord. Mais ça, il peut pas attaquer. Phase. Ah là c'est très compliqué, hein. On en est à 20 minutes toujours avec le duel de Marek. Hein. Il a 1000 points de vie. Non mais si je veux détruire mes monstres comme ça, c'est bien. Je sais pas ce qu'il garde face cachée pour... Il me sacrifie. Il s'est rendu compte que c'était de la daube. Je vais même pas les invoquer mes cartes. Hein. Sinon, si je suis vraiment dans la merde, j'active ma destruction de main et je défausse mes dieux égyptiens, mais... Bof, quoi. Est-ce que ça peut me sauver? Est-ce que ça peut me sauver? Mais bon, là, j'ai rien, en fait. Il est bloqué, lui, il fait rien, en fait. Je peux récupérer une carte magique. Qu'est-ce que je peux récupérer comme carte magique? Change. Ou les épées de révélation. Les épées de révélation lumière, ça pourrait être très bien. Ouais, les épées de révélation lumière, ça me permettra d'invoquer mon obélisque. Ça fait juste des dégâts, non? Je pose ça. Magicien de la foi. On récupère les épées de révélation de lumière. On va voir un petit peu ce qu'il a, ce qu'il cache face cachée. Hein, et ça. Et ben voilà. Hein. Épée de révélation de lumière. Alors, ok, il met ça face cachée, il veut pas attaquer. Pas tout compris hein. Pourquoi il aimait pas se cacher ces trucs? Le bug du jeu. Le bug du jeu. Du coup mince, ce truc va grossir par contre. Ce truc va grossir. Ok, ça ce sera pour faire l'invocation sacrifice. Une phase. J'active quoi? Non, on n'active pas ça. Allez, il faut mettre 3400 points. C'est pas sorcier non plus tout ça. Là, si je pioche un monstre... Putain, je suis obligé d'activer. Bon, moi, je le mets sur ça. Hein. Je le mets sur ça. Très... sinon, je peux... Il gagne 1000 life points. J'ai pas envie de gagner des life points. Activé sanctuaire du démon. On met le jeton démon métallique. On utilise la bourse des âmes. Comme ça on peut sacrifier un de ces monstres. On peut sacrifier ça. Et on invoque 3 monstres. On va prendre lui. On va prendre lui et lui. C'est bon, là on peut invoquer. Et hop, voilà, obélisque le tourmenteur. Déjà son effet, ça détruit toutes ses cartes. De toute façon, je pense que je vais faire ça. Vous pouvez s'agrandir, détruire tout le monde. Cette carte ne peut pas déclarer l'attaque. Eh ben, tant mieux, activer. Oh, on va pas sacrifier obélisque, on a déjà galéré à l'invoquer. Boum, boum, boum. Est-ce que je fais ça? Votre destruction de cartes, allez. Mais ça va peut-être le remettre, lui. Okay. Il a perdu deux Michel là, deux rats. Ça fait quoi ça? Non, tu peux pas l'activer donc ça dégage. Ouais, une carte face cachée, ouais. C'est bon,
enfin c'est... Stupidité. Ça se trouve je vais perdre par épuisement de deck et ça va être... un petit peu triste. Ça va être un peu triste. Donc on met ça. Je me dis il y avait peut-être autre chose à faire. Dégage. Alors, je vérifierai juste un truc et peut-être qu'on aura gagné après. Après ça. Mais non ! Mais putain ! Tab ! Oh putain ! Oh son père ! Eh oui, allez, allez, toujours plus. Quel chevalier du roi. Et attaque. Et là il bloque mon attaque. Oh oui c'est vrai, le slime métallique. Oh merde. Merde, 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 merde. Putain. Enfoiré de merde. Enfoiré de merde. Oh, j'y étais. J'y étais. J'y étais. Je sacrifie mes deux monstres. Hein. Je veux pas perdre plus de points de vie. Ah ouais, 300 points, c'est ça. Du coup, je peux rien faire d'autre. On met ça là. Et si ça continue à durer, je vais perdre une phase. Bah oui, lui, il peut rien faire, hein, clairement. Invocation normale. Le tour ils sont invoqués. Voir un truc. Un invocable spécialement, donc déjà je peux pas invoquer. Ok, donc non. Non, j'invoque Masca. Voilà, on attend un tour. Merde, si je le mets face recto, face verso et que je le mets en mode attaque, je crois qu'il peut pas attaquer. Ça compte comme une invocation. Je vérifie juste ça. Ça. Je sais comment le battre. Je sais comment le battre. S'il a pas un deuxième slim, hein, après... Non, il pouvait pas attaquer. S'il a pas de deuxième slim métallique, ça se passera bien. Non. Perdu. Alors on va mettre, il me faut ça, on attend encore un tour, je invoque, je fais ça. Non c'est bon, je pouvais même faire ça. Monster Reborn, on invoque obélisque en mode attaque, on s'en fiche. On active son effet. On active son effet. On sacrifie lui et le truc qui peut pas attaquer. Hop. Voilà. Le monstre est détruit. Très bien. Toujours plus. Allez. Allez. S'il en a un, je sais pas ce que je fais. Je... Oh, 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 oh. Oh, doux Jésus. Oh, yes. Victoire. Victoire. Et dragon et les deux rats. Oh, maître Marek. Mon frère, s'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. Marek, c'est terminé. Ton côté maléfique a été banni pour toujours. Oh, il a l'air blasé. C'est enfin terminé, mon pharaon. Oui, et les ténèbres ont quitté ton corps, ton cœur. Marek a vaincu le mal qui le contrôlait depuis si longtemps. Mon pharaon, je te remercie. Tu as sauvé l'humanité. Nous l'avons fait ensemble. Je n'aurais pas été victorieux. N'eût été vous tous. Pharaon, sois rassuré que tous ceux qui ont été bannis du royaume des ombres par mes ténèbres reviendront. Merci. J'ai une autre tâche à accomplir avant que ma mission de mon gardien de tombe ne se termine. Sois témoin du secret de la puissance du pharaon inscrit sur mon dos. Ces marques ont été transmises par ma famille de génération en génération depuis 5000 ans. On nous a appris que lorsque l'ancien pharaon sauva le monde de la destruction, il effaça sa propre mémoire, mais il savait qu'un jour il reviendrait et il aurait besoin de retrouver la mémoire. Mon
qu'il confia une... Donc, il confia une famille avec son grand secret, la clé pour débloquer son esprit et son pouvoir. Maintenant que tu détiens les trois quarts de dieu égyptien et le puzzle du millénium, tout ce que tu devras faire est de lire les mots sur le dos de Marek, tu es si proche. Il est temps pour nous de partir maintenant, Pharaon, alors prends ceci s'il te plaît, la baguette du millénium t'appartient et ainsi ne causera plus de mal. Merci. Prends aussi ceci, l'anneau du millénium est en meilleure sécurité avec toi. Avec Yugi possédant maintenant tous les objets du millénium et les trois cartes. What? Il avait tous les objets du millénium, mais non, il a pas l'œil, il a pas le collier et tout. Il pouvait maintenant s'assurer que les jeux des ombres ne reviendraient plus jamais. Ouais, non, c'est pas vraiment ça. Hein. Le duel final, duel inversé, nouveau dueliste, nouveau deck, nouveau défi, des cartes de signature rares, donc c'est le deuxième, je l'avais déjà en fait. Carte de récompense, AGP, et voilà. Ouh. Et bien j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, c'était assez compliqué, hein. Bon, c'était le duel contre Marek, quoi. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire à vous abonner si ce n'est pas fait, et on se retrouve la prochaine fois, donc tous les jeudis et samedis pour du... Voilà. Allez, bye tout le monde.